Nice, la cinquième ville de France, 350 000 habitants. Pour venir en aide aux personnes en détresse, près de 900 sapeurs-pompiers professionnels répartis sur 7 casernes. Leur devise, sauver ou périr. Sur terre ou en mer, ils sauvent chaque année plusieurs dizaines de vies. Allez, courage Daniel. Levez. Parmi ces héros du quotidien, Nicolas, 32 ans. Vous vous écartez avec les enfants, madame, s'il vous plaît ? Il a choisi de dédier sa vie au service des autres. Premier lieu pour le FPT à Nancy. Benjamin, dit Ben, un vétéran. On va où ? 22 ans de service et un engagement à toute épreuve. On arrive. Il est où ? Toi, monsieur. Non, ça ne sert à rien de venir. Monsieur, je vous parle. Vous voulez mourir, vous me sauvez la vie ? Mais c'est pas. Mais à quoi ça sert ce que vous faites ? D'accord. On peut l'enlever le sac ou. Bougez pas. Nicolas, 35 ans, un sang-froid et une générosité reconnue par toute la brigade. Je bénis mon casque. Tu bénis ton casque, comme quoi c'est important d'avoir un casque quand on fait de la moto. C'était à Nice, vedette, comment on en croisait ? Manuel, 40 ans, spécialisé dans les secours en mer. Okay. Le bouet, on dirait, d'un apnéiste, là. Il y a des gens dans l'eau, là. Il faut les faire sortir de l'eau. Ce pompier veille sur la sécurité des baigneurs imprudents et sur d'autres risques plus étonnants. On est tombé sur une bombe. Pourquoi ces hommes ont-ils choisi de risquer leur vie au service des autres ? Comment interviennent-ils ? Pour le savoir, nous les avons équipés de petites caméras. Nous les suivons dans leur mission d'urgence. Nice, la baie des Anges s'éveille sous le soleil. Sur la promenade des Anglais, les pompiers filent à vive allure. Ils viennent d'être appelés pour intervenir sur un accident dans un quartier commerçant à une heure de grande fréquentation. Accident en centre-ville, et d'habitude ils envoient juste une ambulance. Donc quand ils envoient le véhicule secours routier, c'est possible que ça soit un peu plus important que d'habitude. On n'a pas plus d'infos. T'inquiète pas. En arrivant, les pompiers découvrent une voiture retournée en plein centre-ville. Le choc a été terrible. La voiture a frôlé les passants avant de démolir les barrières de sécurité et de finir sa course sur le toit. Vous vous écartez avec les enfants, madame, s'il vous plaît ? Nicolas, 32 ans, est sergent-chef. Amoureux fou de son métier, c'est un sauveur dans l'âme. Sur le terrain, c'est lui le patron. Ouais, mais je préfère regarder, mon ami. C'est mon boulot, ça. Le conducteur, il est où ? Vous l'avez identifié ? Monsieur. Apparemment, il n'y a personne dans la voiture. C'est des accidents là, aux intersections qui sont souvent impressionnants. Mais bon, là, apparemment, il est bien, là, ça va. C'est vous le conducteur, monsieur ? Vous venez à bord deux secondes ? Voici le chauffeur de la camionnette retournée. Il a réussi à s'extirper. La collision a eu lieu avec cette voiture de la poste. L'un des deux véhicules aurait grillé le feu rouge. La camionnette blanche s'est éventrée sur les barrières de sécurité. Vous étiez tout seul dans la voiture, monsieur ? Oui. D'accord. Fabrice ? Nicolas veut d'abord examiner la victime. Fabrice, moi j'ai le conducteur du berlingot blanc là. Tu restes avec ? Je reste avec, je te fais le bilan. Hein ? Alors on reprend depuis le début, vous êtes conducteur du berlingot blanc, c'est ça ? Non. Vous étiez ceinturé au moment du choc ? Pardon ? Oui, est-ce que vous aviez la ceinture au moment de l'accident ? Oui, j'ai porté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez ? Est-ce que les airbags se sont déclenchés ? J'ai éteint le moteur, j'ai enlevé ma ceinture et je suis sorti du véhicule. D'accord. Est-ce que les airbags se sont déclenchés, monsieur ? Je sais pas. Vous vous rappelez pas ? J'ai pas eu le temps de. D'accord. Est-ce que vous avez mal quelque part ? Non. Une douleur, il peut y avoir. Non. Il peut y avoir les cervicales qui peuvent vous faire un peu mal parce que la voiture elle a fait quand même un petit tonneau. Non. Est-ce que quand vous respirez, vous avez une gêne ? Est-ce que vous avez quelconque difficulté ? Non, ça va. À récupérer du choc là ? Ça vous fait pas mal quand moi je vous touche là ici ? Non. Très bien. Je vais vous prendre l'attention, c'est juste à titre de contrôle. La tignure ici. Là, ok, ouais, c'est super léger. Bon, c'est bien. Même si c'est impressionnant, vous en sortez pas trop mal. Est-ce que vous avez des problèmes de santé au quotidien ? Non. Pas de médicaments, pas d'antécédents importants à me communiquer. Ok. Votre âge, s'il vous plaît ? 23. 23 ans. Les chaussures, elles restent dedans l'autre ? Je sais pas. Ok. Tranquille, hein ?
faut te détendre là. Le cœur est un peu fort. Hein. Fabrice, le monsieur, il est quasiment indemne. Hein. Il a une petite égratignure à l'épaule, mais qui est vraiment superficielle. Il a l'abdomen qui est super souple. Il était bien ceinturé au moment de l'accident. Il se rappelle plus trop comment il est sorti de la voiture. Non, si, je me rappelle très bien. Je suis sorti, mais par l'autre côté, pas par le côté. Voilà, ben, c'est important de me le dire, monsieur. La tension est très bonne. Il a 13. Le pouls est régulier, bien frappé à 86. Voilà. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital, monsieur ? Non. Non. Je lui fais remplir une petite décharge. On peut attendre 2 secondes ? Ouais. Voilà, merci, c'est cool. Merci. On est obligé de marquer notre territoire. On arrive dans une situation assez particulière parce que c'est impressionnant. Il y a des badauds, il y a déjà la police sur les lieux. Le travail de police, il démarre déjà parce que le monsieur n'est pas blessé, certain. Mais nous, on arrive, on est quand même obligé de s'assurer de l'état de la victime. Est-ce qu'il y a d'autres victimes ? Est-ce qu'il y a d'autres risques ? Ça, c'est le boulot de pompier quand on est dépêché, quels que soient les gens qui sont déjà sur les lieux. Donc on est obligé un peu de marquer notre territoire pour arriver à nos fins et avoir nos infos qu'on veut, quoi. C'est jamais facile. Mais bon, on a l'habitude. Là, vous avez eu de la chance, et les gens qui sont autour... Ah ouais, c'est certain, monsieur. Je t'ai pas rempli. Ça aurait pu mal se terminer. Nicolas souhaite maintenant s'occuper de l'autre conducteur, celui qui conduisait le véhicule de la poste. Est-ce que tu veux que je te fasse la deuxième victime ou t'as vu quelqu'un ? Elle a disparu. Elle a disparu ? Ouais. En fait, le postier n'a pas disparu. Il est en train de récupérer le courrier sur la chaussée. Nicolas donne un dernier coup de main à la victime. Qu'est-ce que vous avez à récupérer ? Vous voulez qu'on regarde ensemble, monsieur ? Des de l'autre côté. Attendez, je vais faire le tour. Faites attention, vous êtes pieds nus. Je vais essayer de vous trouver la chaussure, tant qu'à faire. Une chaussure qui est là. Super, déjà ça c'est fait. Et les papiers, c'était rangé dans quoi ? Dans la portière, là. Ils ont dû tomber sur moi. Le conducteur finit par retrouver sa chaussure et ses papiers. Il va pouvoir rentrer chez lui sain et sauf. T'as eu de la chance, hein, quand même, le coup. Ouais, en centre-ville, hein? C'est des accidents ou c'est qui tout double, en fait, hein? Ouais. Les voitures sont suffisamment renforcées maintenant. On a la chance d'avoir un habitat qui est assez protégé. Il s'est pas écrasé, vous le voyez bien à la caméra. Après, suivant sur quoi il tombe, il y a des barrières, il y a d'autres voitures, il y a des piétons. On peut vite aller au carnage, quoi. Ouais, ça va très, très vite. Hein. Ouais, ouais. Donc, ben, on appelle ça miraculé. Un accident spectaculaire qui suscite la curiosité des passants. Autour du sinistre, c'est le défilé des photographes amateurs. Bah c'est important, quoi. Vous avez vu ça ? C'est impressionnant. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Oui, vraiment, oui. Un comportement qui n'étonne plus Nicolas. À chaque intervention spectaculaire, c'est toujours la même chose. Ça devient maintenant systématique. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, ben, on n'avait pas tous des téléphones portables et on n'avait pas tous des téléphones qui filmaient. Donc c'était moins sujet au voyeurisme. Il y avait du voyeurisme, il y avait du monde, mais qui peut-être était moins insistant et moins oppressant sur l'intervention. Là aujourd'hui, ils ont vraiment envie de tirer la photo. Ils ont vraiment envie d'avoir le film ou les images choc de l'accident. Au final, plus de peur que de mal. Et beaucoup de tôle froissée. L'intervention n'a duré que 13 minutes. Le temps pour le quartier de retrouver son calme. À quelques centaines de mètres de là, dans les rues du Vieux-Nice, la plus ancienne caserne de la ville, la caserne Ancy, c'est aussi la plus petite. Elle compte seulement une douzaine d'hommes prêts à partir à tout moment. Leur devise : sauver ou périr. Parmi eux, Ben, un vétéran. Il profite de quelques minutes de repos, car ici, le répit est toujours de courte durée. La moyenne journalière, elle est de 28-30 départs par jour. Cet adjudant-chef de 44 ans n'est pas devenu pompier par hasard. C'est essentiellement un vœu petit. C'est une vocation. Combien d'années pour pompier maintenant ? Là, ça va faire plus de 20 ans, ça fait 21 ans, 22 ans. Et t'as toujours la flamme ? T'as toujours la flamme ? Ah, tout le temps. Ouais. On l'attend même. Bon, là, ça sonne, on repart. Hein. Là, la flamme, elle y est. Hein. Ouais. On va attendre de regarder l'intitulé, tu vas voir si la flamme est... Ah, là, celle-là de flamme, elle est parfaite. Ben et ses équipiers sont appelés en urgence sur un feu dans le centre-ville. T'as le plan, s'il te plaît ? À chaque fois qu'il monte dans le gros camion réservé à la lutte contre les incendies,
les soldats du feu ont une montée d'adrénaline. C'est Ben qui va superviser tout le dispositif. Le feu a été signalé dans le quartier de la Libération. C'est quoi qui brûle, dans ce quartier, des immeubles abandonnés, des fenêtres murées, des squats à tous les étages. Ben et ses hommes sont souvent amenés à intervenir dans ce secteur. Le feu a pris dans ce squat, au fond de la cour, en l'absence de ses occupants. Il faut agir vite, car il pourrait s'étendre aux habitations. On voit qu'il a cramé, là. C'est un squat, matelas... Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, toutes les affaires personnelles, c'est un squat. Au milieu des fumées, deux pompiers avancent, sous l'œil vigilant de Ben. Les soldats du feu travaillent toujours par deux, en binôme, pour assurer un maximum d'efficacité et de sécurité. Regarde de l'autre côté du mur. Regarde de l'autre côté du mur. Les pompiers inondent la zone sinistrée jusqu'à l'extinction totale. C'est quoi qui a cramé, là? Ah, c'est une palette. Le feu est maîtrisé rapidement. Mais les squatteurs ne pourront plus habiter dans cette cour. Ouais, c'est bon, tout bien léger. Ouais, c'est bon, pour rouler. À Nice, les départs de feu ne représentent que 5% des interventions. Mais à chaque fois, c'est un grand moment pour Ben et ses frères d'armes. On rentre chez les pompiers pour le feu, on rentre pas chez les pompiers pour faire du sanitaire, social. Ça, c'est... Pourtant, les pompiers, vous n'en faites pas beaucoup dans l'eau. Quand on en fait, c'est là où tout le monde, malheureusement, c'est là où on explose de joie. Hein. On se bat un peu contre le diable quand on a des bons feux. Mmh. Ça fait peur, non, le feu? C'est un peu contradictoire, ça fait peur, mais on a envie d'aller se battre. Donc c'est ça. On est un peu maso, on va dire. Pas le temps de traîner. Ben et ses équipiers sont appelés sur une nouvelle urgence, une tentative de suicide. La rue est embouteillée. Les pompiers doivent prendre la voie à contresens et brûler tous les feux rouges. C'est une femme affolée par le comportement de son compagnon qui vient de les appeler. Transmettez. On vous envoie la police parce que le monsieur cherche son Beretta pour tirer sur sa femme. Reçu ? Ouais, bien reçu. Ben envoyez la police. Ah bon. Ben, il nous attend avec une arme à feu. Ben, il nous attend avec une arme à feu. Donc. Un homme qui veut mettre fin à ses jours. Armé d'un pistolet automatique. T'as la hache, là ? J'ai pas un gilet pare-balles. L'intervention est risquée, mais Ben dispose toujours d'une hache incendie pour se défendre en cas de problème. C'est un sac ? C'est quoi, ça ? Non, mais ça, on le prend, c'est jamais. Hein. Si le mec, il nous tire de trucs dessus, on se défend. Hein. Après, il faut pas non plus exagérer. Hein. Non ? Elle est là, la dame. Ah, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui essaie de se suicider et qui est très violent. Bon, et c'est qui cette personne? C'est mon compagnon. Bon, il a quel âge? 42. Bon, et ça fait longtemps qu'il veut se suicider? C'est pas la première fois, non? Depuis que je lui ai dit que je le quittais. Ah, ben ouais, bon. Il est où? Bon, monsieur. Non, ça sert à rien de venir. Monsieur. Écoutez-moi. Couteau. Mais écoutez-moi. Sors le Beretta. Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Monsieur, je vous parle. Mais non, on ne veut pas mourir pour ça. Vous me sauvez la vie. Mais c'est pas. Mais à quoi ça sert ce que vous faites? Alors, oui, ça sert quoi? Bah, monsieur, c'est la femme de ma vie. Mais on est tous passés par là. Alors voilà. L'homme s'est tailladé les avant-bras. Il est désespéré. Et son comportement semble imprévisible. Monsieur. Par précaution, le collègue de Ben s'est muni d'une planche pour se défendre. Les pompiers tentent de le mettre en confiance. Est-ce qu'on peut parler? Bon, je peux m'asseoir là? Je peux m'asseoir? Il a une arme à feu. Hein.
Oui, non, mais attendez, je m'assois. Voilà. Madame, restez, je m'assois. Allez, venez, on s'assoit. Asseyez-vous avec moi. Alors. L'homme accepte le dialogue. C'est une première victoire. Ben est prudent, car il est sous l'emprise de l'alcool. Apparemment, il se refuse à envisager une rupture avec sa femme. On est tous passés par là. Mais on est tous... Et si on fait tous comme ça, on finit tous pareil. C'est la femme de ma vie. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu crois que j'ai pas eu la même chose que toi? Ben fait preuve de beaucoup de calme. En priorité, il veut désarmer le suicidaire et lui soigner les bras. Ouais. Tu t'es blessé, on peut mettre un peu de désinfectant au bras, quand même. On peut être raisonnable. Hein? Bon, bah, rends le couteau, tu le mets là, à l'autre côté. Non, je garde. Si il met le désinfectant, tu mets un coup de couteau, comment on fait? Bon. Bon, voilà, alors mets celui-là là. C'est vous, mon reste. Celui-là là, voilà, mais on fera rien. Il te met un peu de désinfectant. Allez. Le calibre, il est là. L'arme blanche est mise hors de portée, mais l'homme conserve encore un couteau. Conciliant, il accepte de se laisser soigner. Ses multiples entailles sont heureusement superficielles. Bon, je vais poser ça à mon véhicule. Je reviens. Hein. Ils te mettent un peu de désinfectant. Ah. Pour Ben, le problème n'est pas encore réglé, d'autant que les policiers arrivent. Tu peux deux mots, deux secondes? Pour éviter toute provocation, il reste à l'écart de l'individu. Le monsieur, en fait, il aurait, entre guillemets, un calibre, si on peut appeler ça un calibre. On l'a pas vu, mais bon, on a le doute qui persiste. Il s'est un peu entaillé avec le couteau, il veut mettre fin à ses jours. On essaie de discuter. Bon, maintenant, après, on ne peut pas laisser comme ça parce qu'il est en pleine dépression. Mais il a quand même le couteau à la main. Il a un gros couteau. Bon, voilà, on va essayer de le prendre par le... Le bon côté, et puis il vient tranquille. On essaie de le calmer. Voilà, c'est tout. Hein, on va pas aller à la force. De leur côté, les équipiers de Ben tentent à leur tour de désarmer l'individu. Là, ouais. Par contre, tu vois, ça serait vraiment sympa de le poser, le couteau, tu vois. Non, parce que pour nous, tu vois, c'est menaçant, tu vois. Regarde, on te fait confiance, ouais. Ok. Allez, super, super. Là, t'as fait vraiment un bond en avant, là, tu vois. Ok. L'homme est enfin désarmé. Les policiers approchent en douceur. Ils veulent récupérer le pistolet. Le pompier leur désigne les pots de fleurs où l'arme pourrait être cachée. Car il a remarqué que les mains et les ongles du suicidaire étaient pleins de terre. Mais dans les pots de fleurs, on ne trouve rien. C'est pas évident, en plus on n'est pas formé pour gérer des situations comme ça. C'est un peu l'expérience qui parle, mais bon, après ça marche pas tout le temps. Là on va essayer, là il est calme, mais s'il faut dans 30 secondes, il peut partir dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as pris comme médicament? 40 Xanax à 50 mg, il y a combien de temps? 10 minutes. Il y a 10 minutes? 10 minutes. D'accord. Ok. Est-ce que tu as bu beaucoup d'alcool avec? Tu en as bu combien de ça? 4 bières comme ça? D'accord. Il a pris 40 Xanax, 50 mg, il y a 10 minutes. D'accord. Et 4 bières comme ça. Bon. Il y a urgence. L'homme a ingurgité une boîte entière de calmants et 2 litres de bière. Un cocktail détonnant qui peut décupler son agressivité. Ben doit l'emmener à l'hôpital. Venez avec nous, on va... Mais vous avez pris 40... Non. Plus les non. Bières, tout ça. Non, tout... non. Non et non. La seule solution, c'est quoi? C'est pour me dire que Clara revient avec moi, c'est tout. Ah ouais, moi, je suis pas le sexe. Alors, bonsoir. Mais non, viens, t'as pris le médicament. Mais on peut pas te... Non, mais on peut pas te laisser comme ça. L'individu refuse de partir. Il devient incontrôlable. Allez. Il est rapidement maîtrisé. Sa compagne, habituée à ses crises, reste impassible. Bravo. Mais après, mais attendez. Ne vous mettez pas comme ça devant lui, hein, fumer et tout ça. C'est... Vous mettez un peu à l'écart. Dieu, là, il est là et il est pauvre. Écoutez, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais suivre mon gars. Ah, vous venez? Ah, ben alors venez, changez-vous. Patrice. Je vous l'évite de moi. Patrice. Monsieur le pauvre. Viens avec nous à l'hôpital, à ta compagne. Hein? Allez, viens. Mais on va te monter, Patrice.
Mais l'individu ne se calme pas pour autant. Il redevient nerveux. Allez, Patrice, on y va. Je vais arracher les bras. Viens, ta copine, elle vient, Patrice. Allez, viens. Allez, calme, gueule pas, laisse tomber. On va te les enlever, les menottes. Allez, viens. Attends. Allez, mettez-vous. Allez, monte. Doucement. Bon. Vas-y. Patrice. Retire-moi les Patrice, on te les enlève, mais tu restes calme. Hein. Tu vas aller chercher sa dame ou son ex-dame. Ben a réussi à gérer la détresse du désespéré. Ça va ? Allez, et là, elle va venir ta copine, d'accord ? À l'intérieur du camion, la tension redescend. Le malade commence à craquer. Bon, là, il est calme. Vous pouvez vous asseoir à côté. Hein. Le couple se retrouve. Asseyez-vous. Réconforté par la présence de sa compagne, l'homme peut maintenant être transporté aux urgences. Bon, messieurs, vous nous rejoignez encore avec vous ? Non, mais je pense que ça va aller. Hein. Je ferme la porte, on va y aller. Allez. Ah oui, c'est vrai que vous montez dedans. Bon, il va être pris en charge, il va être soigné et tout, et après il sera dirigé vers un psychologue. Mais je pense que... Après, je pense que ce soir, je pense, hein, c'est dans... s'il n'y a pas grand-chose, il sortira. Ce soir ou demain, après les tentatives de suicide, il y a beaucoup, c'est des alertes que réellement fondées. Hein. Ben et ses hommes sont intervenus à temps. Mais l'arme à feu est restée introuvable. Conduit à l'hôpital, l'individu subira un lavage d'estomac avant de ressortir quelques heures plus tard. Chaque jour, les pompiers de Nice doivent faire face à 3 ou 4 tentatives de suicide. Le lendemain, Ben profite de son jour de repos pour se rendre dans l'appartement qu'il a acheté et dans lequel il fait les travaux lui-même. Et voilà, les travaux. Célibataire endurci, c'est ici qu'il passe la plupart de ses moments de loisirs. 9 mois de travaux. Bah, je ne fais pas tous les jours, hein, il faut que des jours de repos. Un appartement où il évacue le stress des interventions et la fatigue d'un métier difficile. C'est pas mal ce vu. Tu vois, t'as le vieux Nice, le cimetière et le port. Pour un Niçois, c'est bon. Hein. Il a la vue sur les 3 critères de Nice. Un décor qui lui permet de s'évader. Depuis quelques années, la société évolue et les missions sociales sont de plus en plus nombreuses. Il y a des missions que le pompier n'a plus envie de faire, donc qui ne sont, entre guillemets, hein, qui ne sont pas des missions d'urgence et qui rongent les pompiers de l'intérieur. Parce que c'est plus ou moins axé sur on va dire du social. C'est pas une mission de pompier, le social. Je veux dire, allez, on prend le. Je vais donner un exemple, la tentative de suicide. On n'a pas de formation pour gérer des gens qui font des tentatives de suicide. C'est plus de l'ordre d'un psychologue ou d'un psychiatre. On n'est pas formé pour faire ça. Tous les problèmes de société, hein, on les absorbe. Hein. On est des éponges. Et à un moment ou à un autre, eh bien, on ne peut pas aller au-delà de 50 ans. Il faut être on change dans la même administration, dans le même corps de métier, on change. On se retire des rangs, parce que c'est vital. Au même moment, à la caserne Magnan, la plus importante de la ville. Elle compte plus de 200 hommes. Au foyer, c'est l'heure de la pause déjeuner. Dis bonjour à tonton Mika. Pas dans la soca. Au menu, la soca. Une spécialité typiquement niçoise. Nous retrouvons Nicolas, qui est intervenu en urgence il y a quelques jours sur l'accident en plein centre-ville. Intégré à cette caserne depuis 10 ans, Nicolas est aujourd'hui de garde avec ses équipiers. L'alerte retentit. Une victime attend les pompiers dans le centre de Nice. Donc, quand ça se met en marche, ça ne s'arrête plus les pompiers. Hein ? Arme blanche 149 Madeleine.
une personne blessée à l'arme blanche dans un quartier populaire. S'agit-il d'un accident domestique, d'une dispute qui a mal tourné? Pour le moment, les pompiers n'en savent rien. Là, la police. Allez, la police. La police est déjà sur les lieux. Les pompiers craignent qu'il s'agisse d'une agression. On fait beaucoup avec les... On recule après. Oui. Bonjour, monsieur, alors, où est-ce que vous avez pris? Apparemment, un coup de couteau, c'est ça? Plusieurs coups de couteau. Où ça, monsieur? Ben, ici. À la jambe? Un dans le dos. Un dans le dos? C'est un couteau comme ça. Ouais, ouais. D'accord, Nico, on va faire d'abord le dos. Il a le dos et la jambe. Tu veux pas l'allonger pour bosser, là? On va l'allonger. Monsieur, vous allongez sur le côté, là-bas. L'homme a été poignardé en pleine rue de plusieurs coups de couteau. Malgré ses blessures, il reste étrangement calme. Nicolas maîtrise bien ce genre de traumatisme. Là, vous avez une plaie qui est un peu profonde, mais ça va bien se rattraper. Ça va tiquer un petit peu. Hein. Il y en a une deuxième là, à la fesse. Okay. Une deuxième à la fesse. Vous avez la fesse aussi, monsieur, qui est un peu abîmée. Je vais être obligé de vous couper le short. Nicolas recense au total 5 coups de couteau. Il est percé là aussi, il est percé là aussi. C'est bon, on se calme. On se calme, on se calme. Allez, je vous l'ai pas vu. Je l'ai vu, monsieur. Deux secondes, on fait par étapes. La victime était en compagnie d'une jeune femme. Elle est en larmes. Un poil blanc. Alors si c'est pour se disputer, vous vous mettez sur le trottoir. Nous on veut bosser au calme, messieurs dames, s'il vous plaît. C'est possible de nous enlever tous les gens là autour, ça t'embête pas? Parce que les gens ils sont à peu près, ils ont rien à voir. Et... Pendant que Nicolas continue les soins, les policiers ont retrouvé l'auteur des coups de couteau. D'après les témoins du drame, l'agresseur s'en serait d'abord pris à cette jeune femme en blanc. C'est en tentant de s'interposer que la victime a été poignardée. Il faut se détendre un maximum, ok? Hein, monsieur? On se détend un maximum. Les premiers soins sont terminés. La vie de cet homme n'est pas en danger, mais il doit être transporté à l'hôpital. Pour l'installer sur le brancard, les pompiers doivent s'y mettre à 5. Monsieur, on va vous soulever. Attention pour lever, levez. Brancard. Exposé. Super, impeccable. Attention pour lever, lever. Vas-y, envoie. Halt. Voilà. Bon, maintenant qu'on est dans l'ambulance, on va refaire un petit tour. Voir un peu s'il n'y a pas une plaie qu'on aurait loupée. D'accord, donc une ici, une dans le dos. Voilà, c'est ça. D'accord, vous en avez une dans la hanche, ici. Juste en dessous à la fesse, dans la même fesse. Ouais, hanche, même fois. Fesse. Et une aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et voilà. celle qui ne fait pas, c'est celle parce que j'arrive pas à faire ça avec le. Je vous sens. Ok. Je bouge. Très bien. Mais la flexion. La flexion, j'arrive. D'accord, il est possible qu'il y ait quelque chose endommagé. Mais il n'y a que l'échographie qui peut le dire, ça. Parce que dans la bagarre, on ne sait pas comment ça s'est passé. Vous étiez à pied? C'est dehors? Non, j'avais la voiture garée, il est arrivé, il m'a appelé. En fait, il avait un problème avec ma copine, moi je ne savais pas. Donc je suis venu pour discuter avec lui, il a sorti le couteau, on m'a planté. Voilà. Moi je pense qu'on va pas trop tarder quand même. Ça m'a fait combien alors? 5 plaies. Ça marche. Patrick, on y va? Yes. Allez. La jeune femme à l'origine de la rixe tient à l'accompagner aux urgences. Vous vous asseyez madame, vous vous attachez s'il vous plaît pour la route? Bah, il a de la chance, il est gaillard le gazier, putain. Ouais. Vous êtes bien là? Ouais, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Je pensais que c'était pire. Ben moi, je vous avoue que quand je suis arrivé, je vous ai vu allongé par terre. Ouais. J'ai pensé que c'était un peu plus grave. Mais là, c'est grave, peut-être plus grave. Non. Ça va. Il y a juste ça, c'est un tendon, mais ça se répare. Ils vont mourir, ils vont prendre le tendon, ils vont le tirer, ils vont l'attaquer. Ils vont vous le faire ce soir, cette nuit, là, ouais. Direct. Bah, non, détendez-vous. Vous savez quoi, ça pourrait être... C'est de moi, ça voulait planter à moi. Mais vous inquiétez pas. C'est moi qui voulais planter, c'est moi qui ai appelé la police. Je sais bien, madame, mais il faut toujours voir le pire. Là, le pire, il est évité ce soir. Ok? C'est votre mari? C'est un ami. C'est votre ami? Ouais. Il va bien, regardez, il vous parle, il est bien, il est clair comme tout. Là. D'accord? Avec les coups qu'il a pris, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ouais. D'accord. Merci. Normal, c'est notre travail. Pour sa tête, ce monsieur, c'est vraiment superficiel. Ouais, j'ai... La victime a eu beaucoup de chance. C'est sans doute sa musculature imposante qui l'a sauvée. Votre ami, je vais la voir. Je lui explique que vous êtes dans une salle où les visites sont limitées.
dès qu'ils vous ont sculpté, elle pourra venir vous voir. D'accord. Bon courage. Ça marche, merci. Je vous dis pas à bientôt. Avant son départ, Nicolas tient à rassurer la jeune femme qui l'a accompagnée. Mais dehors, une autre femme est là, l'épouse de la victime. On se calme, tranquille. Vous êtes manifesté à l'accueil ? Non, je sais. Venez, je vous montre. Une seule personne vient, vous restez là, il faut décompresser. Ça aurait pu être beaucoup. C'est la femme, j'aimerais bien le voir. J'ai bien compris, madame, mais là, c'est pas possible. C'est impossible, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des soins, il a plusieurs médecins autour de lui. Il va bien, d'accord ? Soyez rassurés, il va bien. T'inquiète pas. D'accord ? Franchement, j'étais avec lui, là, tout fragile, regarde, chez le sein. Dès qu'il y aura possibilité de le voir, vous allez le voir. Il a eu beaucoup de chance. C'est quoi ? Il a eu beaucoup de chance. Parce que c'est tu aurais pu le planter, t'as vu, dans des endroits où. Voilà. Mais attends, je dis sa femme, c'est à moi d'être à côté de lui, non ? C'est normal que toi, tu te dis comme ça, moi, je suis pas au courant des trucs. Mais c'est un truc de fou, vous. Mesdames, excusez-moi. C'est pas par rapport à gentil ce que tu me dis. L'accueil, il est juste là, mesdames. Nicolas préfère laisser les deux femmes s'expliquer en tête à tête. Sa mission est terminée. Paradoxalement, il vient d'effectuer ce que les pompiers appellent une belle intervention. Pour nous, c'est plus intéressant de faire à un gars qui s'est pris des coups de couteau plutôt qu'aller relever une pauvre amie qui a glissé dans sa salle de bain. Et qui n'est pas blessée. Les deux sont importants. On va le faire avec autant de cœur, mais le problème, c'est que la technicité, il y en a moins, quoi. On rentre pompier pour l'adrénaline aussi. On aime aider les gens, on aime l'esprit d'équipe, la camaraderie, toutes ces choses-là, le sport. Mais on aime l'adrénaline. Et les bonnes interventions, entre guillemets, c'est là où vous avez de l'adrénaline qui vous anime, où il faut être constamment en éveil et à la recherche du moins de problèmes pour éviter que ça perturbe l'intervention. C'est super excitant. Finalement, la victime sortira de l'hôpital quelques jours plus tard, après une opération au tendon du pied gauche. À Nice et dans la région, les pompiers réalisent chaque année près de 50 000 interventions. Sur terre, mais aussi en mer. À quelques brasses du port de plaisance et de ses yachts, la caserne de la Tour Rouge. Dans ses murs, des pompiers spécialisés dans les secours en mer. Tous ces hommes ont fait l'objet d'une sélection draconienne. Ce sont tous des plongeurs expérimentés. L'entraînement est interrompu. Ils sont appelés sur un naufrage. Un plaisancier est en difficulté au large du cap de Nice. Ferra de commandant Croiset. Croiset de Ferra, le point. Oui, bonjour. Pour signaler en quitte le port de Nice pour un navire en difficulté qui se situerait au cap de Nice. Donc, sans d'autres précisions, donc on se rend sur zone et on vous passe un message à l'issue. C'est bon derrière. Un navire en difficulté. Pour le moment, les sauveteurs n'en savent pas plus. Où est ce bateau ? Combien de personnes y a-t-il à bord ? Il faut le localiser rapidement. La vedette fonce pour retrouver les naufragés au plus vite. Ah, le bateau jaune là-bas ? C'est le bateau école de plongée qui a donné l'alerte. Les pompiers vont peut-être en savoir plus. Ouais, c'est bon, on se présente sur les lieux. Donc apparemment, il y a un scooter des mers à côté. Donc, c'est peut-être le scooter. En fait, c'est un scooter des mers qui est en train de couler. Ces passagers ont été secourus par le bateau école de plongée. Ouais, mais ça se trouve, le gars est tombé en panne. Bonjour. Vous êtes pas en panne moteur ? Ouais, il a commencé à patiner. Quand on a accéléré, je pense qu'il a pris l'eau dans la carburateur. C'est simplement, il n'y a pas de blessé. C'est bien. D'accord, c'est les deux. On va ramener sur le port. Ouais, il est en train de couler. Allez. Les utilisateurs du scooter sont indemnes. Par chance, ils ont été récupérés par le bateau école à 1 km des côtes. Les pompiers doivent évacuer l'engin car il flotte à la surface et peut représenter un danger pour les autres plaisanciers. Nous, on prend en charge le scooter des mers et on va le diriger sur le port de Nice. Les pompiers entament le remorquage du scooter. Les naufragés, eux, sont ramenés à terre par le bateau de plongée. Allez, vas-y, bouge. Vas-y, va l'aider, va te mettre à l'eau quand même. Ah, ouais, bon, essaie de le maintenir pour voir la stabilité, là. Je vais le prendre de l'autre côté. Philippe, frotte un peu, doucement. L'engin pèse 400 kg. Pour le redresser, les pompiers ne sont pas trop de deux.
Le scooter est remonté à la surface. Un des pompiers regagne la vedette. L'autre prend le guidon pour le piloter. Ouais, on a fait son tour de scooter des mers. Le sauvetage a mobilisé une vedette et quatre pompiers pendant près d'une heure. Depuis quelques années, les sauveteurs viennent de plus en plus souvent au secours des pilotes de jet ski, plus ou moins expérimentés. Ça arrive souvent dans la saison, vu que c'est quand même un sport qui est quand même en vogue, donc il y a quand même pas mal de petits problèmes. Donc aujourd'hui, c'en est le témoignage. Quoi. Mais sinon, voilà, ça s'est bien passé. On a récupéré les deux personnes. Et le jet, donc, a pris un remorque et on dirige sur le port de la Tour Rouge. De retour au port, la naufragée et son mari se remettent de leur frayeur. On était un petit peu loin et puis c'est vrai que les gens n'apportent pas forcément assistance de suite. Il y a des bateaux qui nous sont passés à côté qui ne se sont pas arrêtés. Quoi. Sur une dizaine de bateaux qui sont passés, c'est le seul qui s'est arrêté. Quoi. Et encore des gens sur qui on peut compter. Parce que ça faisait quand même quasiment une demi-heure qu'on était dans l'eau. Hein. J'ai eu la totale. Super souvenir. Super souvenir des prêtres, pompiers, bateaux. J'ai tout eu. C'est bon Claudio? Les gars, merci. Voilà. Ciao, merci les gars. Cet après-midi, un autre équipage de pompiers part au large pour plonger. Un exercice quotidien et indispensable, réalisé été comme hiver. Henri, quand on est sur zone, dès que vous vous mettez à l'eau, vous descendez de suite. Voilà. Tu as déjà fait cette plongée? Non. Eh ben, tu vas voir, c'est vachement sympa. Ouais. C'est sympa, quoi. Mais la plongée ne va pas être aussi sympa que prévu. Manuel est le chef d'unité. À la barre d'un bateau de plongée, vous êtes heureux? Complètement, complètement, complètement satisfait. Manuel, 40 ans, est originaire de la région. Depuis son enfance, la mer est son élément. C'est bon, on est dessus, là. Manuel et ses hommes sont sur zone. Tout le monde s'attend à une plongée classique. Mais à 40 mètres de profondeur, ils vont devoir faire face à un imprévu. Après ses collègues, c'est au tour de Manuel de se jeter à l'eau. La descente dans le grand bleu commence. Un exercice physique indispensable pour habituer l'organisme à la pression. À 40 mètres de profondeur, les risques de malaise sont réels. Seuls des plongeurs entraînés peuvent intervenir dans ces conditions. Les pompiers évoluent maintenant à 33 mètres de fond, quand soudain, Manuel remarque quelque chose d'anormal. Sur sa tablette qui lui sert à communiquer, il griffonne un mot à la hâte. Une bombe. Sous cet amas d'algues et de roches, l'œil averti de Manuel a décelé un engin explosif. Un véritable danger pour tous les plongeurs, les touristes, mais aussi les pêcheurs qui pourraient le remonter dans leur filet. L'objet est peut-être encore amorcé. La bombe peut exploser à tout moment. La séance d'entraînement est interrompue. On est tombé sur une bombe. C'est un engin qui doit faire à peu près, je pense, 30 cm de long. J'ai eu l'impression qu'il y avait au moins 10-15 cm de diamètre au plus large, avec des ailettes. Ça pourrait ressembler à un mortier d'obus. Manuel rentre immédiatement au centre de secours. Une fois à terre, il analyse les images pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. On a ici à l'arrière, ici on voit une ailette. Ici, on en voit une deuxième. Et ici, on voit celle du dessous. Donc on a ici l'ensemble de l'engin. Hop. Et qui est ici déformé par une éponge qui est venue se coller dessus et qui s'est fixée. Pour nous, ça reste un engin explosif. Et donc, pour nous, ça reste un danger à signaler. On va croiser le plan d'eau pour déminage. Pour désamorcer la bombe, Manuel a fait appel aux militaires. Ces plongeurs sont seuls habilités à neutraliser des explosifs en mer.
Ils veulent garder l'anonymat car ils interviennent souvent sur des théâtres d'opérations sensibles. Manuel va les guider jusqu'à l'engin explosif. Quoi vous pensez ? Oh, j'essayais de me rappeler correctement la position de l'engin pour pas perdre de temps en fait. Ouais. Donc là, on est dessus à peu près. Arrivé sur le site, la police municipale de Nice a été appelée en renfort pour établir un périmètre de sécurité de 600 mètres. À partir du moment où le plongeur qui vont partir faire l'investigation, il ne faudra plus personne sur le plan d'eau. Ok, il n'y a pas de problème. Tout ça, on gère là. D'accord. Les baigneurs ont été sortis. Merci. La bombe n'est qu'à 200 mètres des côtes. Au moment de l'explosion, personne ne doit être sur zone. L'onde de choc pourrait s'avérer fatale. À 8,26, mise à l'eau de la première palanquée, Dietrich. Manuel va guider les démineurs jusqu'à l'objectif. Après 30 mètres de descente, les voici à quelques centimètres de la bombe. Manuel a rempli sa mission, mais ses craintes étaient fondées. Derrière eux, il découvre un filet de pêcheurs qui pourrait remonter l'engin explosif à la surface. La mission de reconnaissance est terminée. Maintenant, les démineurs vont pouvoir passer à l'action. Clique dessus. Le bateau nous a positionné parfaitement au bon endroit. L'inconvénient, mais on s'y attendait, c'est qu'il y a déjà un pêcheur qui est venu poser son filet dessus. Donc, d'où la raison d'enlever l'engin. Quel est le niveau de dangerosité de cette bombe? Les démineurs sont catégoriques. Donc, tu confirmes, c'est... Là, en travaillant, on voit de l'explosif qui se met. Ah oui. Ouais. En enlevant l'éponge qu'il y a dessus. Donc il s'agit bien d'un projectile de mortier qui est amorcé, tiré, non déplaçable. L'explosif est toujours amorcé. Il peut sauter à tout moment. Impossible de le transporter. Il faut le faire sauter sans délai. Qu'est-ce que c'est ? Du plein de 500 grammes de plastique. Un explosif puissant et malléable comme de la pâte à modeler. Les démineurs le sécurisent sur le Zodiac dans une petite valise étanche. Alors que tout est prêt, un contretemps de dernière minute. Et le bouet, on dirait d'un apnéiste, là, si je me trompe pas. Ouais. Et là, il y a un plongeur, là. Il y a des gens à l'eau. Il y a des gens dans l'eau, là. Il faut les faire sortir de l'eau. Bonjour. Vous n'allez pas vous baigner pendant 5 minutes, OK? Merci. Pendant que la vedette des pompiers chasse les baigneurs, les plongeurs des mineurs ont fixé le pain de plastique sur l'obus de mortier. Pour des raisons de sécurité, ils ne nous ont pas autorisés à les filmer. C'est l'heure de la mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Bien parti. Oui, bien pris. C'est fait. On a vaguement senti une petite vibration dans la coque. On a entendu le claquement. Mais vu la profondeur, il n'y a aucun effet en surface. C'est un endroit de plus nettoyé. À tous de chefs de mission, vous pouvez lever le dispositif. Bien reçu pour les parties. Voilà, vous passez dispo au CTA et vous rentrez en fin de mission. Manuel vient de supprimer une bombe de la Seconde Guerre mondiale. L'engin aurait pu blesser ou tuer des pêcheurs, des plongeurs ou des touristes qui viennent se baigner dans ses eaux. Chaque année, les pompiers de Nice découvrent 2 à 3 bombes en Méditerranée. Retour sur Terre, à la caserne d'Ancy, un appel d'urgence. Un deux roues, je sais pas, j'ai pas encore la feuille. Alors,
On va au 19 Carabassel pour un AVP de roue seul apparemment. C'est parti. Un AVP, un accident sur la voie publique. Nicolas, 35 ans, c'est lui qui va diriger l'intervention. En moins de 5 minutes, les pompiers arrivent sur place. Il est couché ? Direct. Une moto sur le sol et son conducteur allongé sur le trottoir. C'est Nicolas et Fabrice qui vont faire le premier diagnostic. Vous avez mal à quel endroit ? J'ai le doigt qui est cassé. Ouais. Je dois avoir deux doigts cassés. Ouais. J'ai le pied, je le sens plus. Le pied droit ? J'ai la tête cognée, mais ça marche. D'accord. Vous n'avez pas perdu connaissance ? Ouais. T'as mal où ? Au doigt. Tu t'occupes du collier, je vais y enlever le gant et regarder le pied. Allez, courage, monsieur. Courage. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Le doigt. Quel doigt vous fait mal ? L'index. L'index, d'accord. Pour l'instant, je suis en train de découper au niveau du pouce. Là, là je te mets un collier pour les cervicales, par sécurité. Okay. Le pied, c'est toujours pareil, la douleur ? Ça va, le pied, ça se calme. Le pied, ça va ? C'est juste la moto qui est tombée dessus. D'accord. Le bassin, ça va ? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, le genou, là, c'est bon. On a presque fini, le gant, il est presque enlevé. On y va tout doucement. Voilà, c'est bon, le gant, il est enlevé. C'est la douleur du doigt qui vous fait pleurer ? Ok. On t'a fait un pansement. Ouais, laisse-le comme ça. Est-ce que tu arrives à replier ton bras, le ramener sur toi ? Voilà, ok. Ton doigt, on s'en est occupé. On va préparer le coquille, s'il te plaît. On va le coquiller, on va le conditionner dans l'ambulance. Coquiller, c'est-à-dire transporter le jeune homme dans un matelas enveloppant et rigide pour protéger sa colonne vertébrale. À première vue, il n'aurait que deux doigts cassés. On va te mettre dans le coquille par précaution. Hein ? C'est un matelas qui serre, comme ça tu bougeras plus devant après. D'accord. Fabrice, tu t'occupes que de la tête, Guillaume il va s'occuper des épaules. D'accord, moi je me mets au bassin. Ok ? Allez, courage Daniel. Fabrice, quand tu veux. Pour l'ensemble, prêt pour lever ? Prêt. Levé. Super. Guillaume, quand tu veux. Ça, c'est serré. Au téléphone, la jeune fille qui a renversé le motard. Elle est toujours sous le choc. J'étais sur la voie au milieu. Je comptais tourner pour rentrer chez moi et on m'a doublé par la voie de l'autre sens, en fait. Et il m'a doublé et je l'ai pas vu. Je m'ai rentré sur le côté. Tu étais en voiture ? Oui. C'est moi qui conduisais. C'est la première fois que tu arrives ? Coquillé, le jeune homme est maintenant transportable. Les premiers soins ont atténué la douleur. Tu n'as pas de problème de santé ? Non. Pas de traitement médical ? Non. Aucune maladie particulière ? Non. Pas d'allergie ? Non. Ok. Si tu sens des douleurs qui se réveillent au fur et à mesure que ça avance, ça risque d'arriver, tu me le dis. Allez. Nicolas s'inquiète aussi pour la jeune fille. Ça va, mademoiselle ? Oui, oui. Ouais ? Bon, il est un petit peu blessé, c'est normal, hein, il a eu un accident de moto, mais bon. Hein ? Ah, il a mal au niveau du doigt, vous l'avez vu, d'accord ? Au niveau du pied, tout va bien, il a tous ses membres qui bougent, il n'a pas perdu connaissance, d'accord ? Hein ? Ça va aller, vous ? Tout va bien, on s'occupe de lui. Vous voulez lui parler deux secondes ? Non, non. Pour vous rassurer, c'est bon ? Oui, bah oui. Je veux bien. Venez. Allez-y, montez. C'est la conductrice de la voiture, elle voulait lui parler un petit peu. Il va bien. Rien, ça va. Sur le fil plus bas, c'est rien. T'inquiète pas, d'accord ? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. T'inquiète pas. Au policier. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, ça arrive. Il va bien, sur le pied plus grave. Ouais. Tu l'as pas vu, c'est comme ça. Je bénis mon casque. Tu bénis ton casque, oui. Comme quoi, c'est important d'avoir un casque quand on fait de la moto. Et des gants, et quand même. Qui va coûter. C'est sûr. Bon, on va aller à l'hôpital faire un bilan complémentaire et des radios, ok ? Allez, détends-toi, je te laisse avec Fabrice, s'occupe de toi, ok ? On y va. La
J'étais en train de remonter la fille, il y avait des scooters devant moi, il y avait des scooters derrière moi, comme tout le temps, quoi. Et en fait, elle a mis le clignotant et elle s'est jetée d'un coup. Et j'ai pas pu l'éviter, je lui ai cogné sur le côté au niveau de la porte. Et quand je suis arrivé au niveau du trottoir, j'ai cogné la tête. Et en fin de compte, c'est ma main qui a pris quand je suis tombé et elle a glissé après. Plusieurs par jour en général. Plusieurs par jour. Ah ouais. Ah ouais. C'est régulier. Voilà, on a de la chance, on tire quelqu'un en plus qui a un casque et un équipement plus ou moins adéquat. Quand on arrive sur un AVP, on sait qu'il n'y a pas de protection, le jeune il est sans casque, quoi, de suite. Là, c'est assez différent. Bon, là, ça va. Arrivé à l'hôpital, le jeune homme est pris en charge par le service des urgences. Donc, je t'amène un accidenté de roue. Il était casqué. Il n'y a pas eu de perte de connaissance. Ça fait mal, non, je sais pas du tout. Les médecins vont déceler une entorse du poignet, 7 fractures du doigt et une déviation de la colonne vertébrale qui lui demandera plusieurs semaines de rééducation. Ça va, Daniel ? Oui. Ok. On te laisse aux soins du docteur et des infirmières. Hein ? Bon courage. Chaque année, à Nice, on compte plus de 3600 accidents de la circulation. Sur le parking, les ambulances des pompiers se succèdent. Nous retrouvons Nicolas, qui vient lui aussi d'amener un blessé. Il rentre à la caserne. Mais le retour ne va pas se passer tout à fait comme prévu. En route de vers de nouvelles aventures. Ah, silence radio, le temps d'aller chercher finalement. Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? D'accord, il faut appeler ou un taxi ou une ambulance privée, madame. Oh ! Non mais madame, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, madame, ce n'est pas possible, madame. En fait, la jeune femme est en état d'ébriété. Ça, faut y aller là, madame, faut descendre. Ah non, mais. Elle insiste. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Faut y aller. Faut descendre. Descendez, madame, descendez. Allons. Ça vous fait rire. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez craqué là ce soir ? Vous appelez à l'intérieur là-bas, vous faites appeler un taxi, madame. C'est bon, Vicky, démarre. Allez, elle a compris, je crois. Oh, désolé, bon. On vous laisse là. Orientez-la vers le taxi, madame. Allez, roule. Et bon courage, madame. Chaque année, les pompiers de Nice effectuent près de 50 000 interventions. Ils sauvent des dizaines de vies. Si, amenez-moi. Si, non, je veux vous. Oh non. Avec les filles, j'ai un succès fou.